Je suis venu aller voir Jumper. J'ai vu la bande-annonce et ça m'a plu. Et c'est le réalisateur Doug Liman, qui est un bon réalisateur. Par rapport au réalisateur, donc la mémoire dans la peau. J'avais vu Go, Mr. et Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angela Jolie. Un bon petit film américain, je pense, d'après les extraits que j'ai vus. J'ai vu Samuel L. Jackson. J'ai vu Hayden Christensen, exactement, celui de Star Wars. Et le reste, je ne connais pas les autres. En fait, c'est une personne qui se téléporte. Et il y a un groupe ennemi, je ne sais pas s'il est commandé par Samuel L. Jackson ou pas, je n'ai pas saisi toute l'action. Et il y a genre une confrérie, une petite attaque entre eux. Il faut qu'il en reste un, je suppose. Hein. Ça a l'air d'être un film qui se passe un peu dans le monde entier. C'est pour ça que je veux le voir. Voir des sites peut-être nouveaux que je n'ai jamais vus. Bon, comme ça, les extraits, ça montre un film avec de l'action et tout. Donc bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. À tout à l'heure. C'est vraiment lent et les actions sont pas l'histoire est trop légère. Non, je m'attendais un peu mieux. Ouais. Off. C'est peut-être du fait que j'aille régulièrement au cinéma et que j'ai l'habitude de voir des films beaucoup mieux que celui-là, en fait. Ouais. Réalisateur, il s'est pas trop foulé. Hein. Oui, bien, il se regarde. C'est pas un super, super grand film comme Matrix, parce que c'est à peu près les mêmes idées, mais dans le fond, c'est bien, quoi. Ça se regarde. La même impression, déjà, la fin aussi, elle est bâclée, je pense. C'est vraiment l'histoire qui est décevante. Moi, je le conseille pour les jeunes, quoi, pour qu'ils s'éclatent. C'est plus un film ado, jeune, qui se voyage, qui visite un peu. Maintenant, pour les adultes, s'ils veulent passer un petit moment, ils peuvent y aller. Mais je sais pas s'ils vont retrouver quelque chose d'autre qu'un film d'action classique, quoi. Enfin, nous, on a un prof absent, donc on est venu. Mais sinon, c'est une perte de temps, je pense. Un samedi après-midi, ce serait peut-être un dimanche quand il pleut. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci.